Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur la personnalisation des documents de vente. Alors, on va voir comment concrètement personnaliser soit un devis, un bon de livraison, un bon de commande ou une facture en fonction de votre société. Alors, c'est vrai que sur ces nouvelles versions, vous verrez, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant parce que vous allez être guidé par un assistant par rapport à l'en-tête, le corps du document et le pied de page. Et ce qui est intéressant également, c'est que dès que vous allez personnaliser vos documents de vente, eh bien EBP automatiquement garde par défaut les documents de vente d'EBP et ensuite va créer les vôtres. C'est-à-dire que si demain vous voulez changer quelque chose, mais repartir du bon de commande ou de devis d'EBP, vous pourrez le faire sans problème. Alors là, l'intérêt, effectivement, on va le voir tout de suite, hein, c'est que dès qu'on va intégrer le logo dans les informations sociétés, hein, donc c'est pour ça que là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur les informations sociétés, automatiquement vous verrez, eh bien, sur tous les documents qu'il va vous proposer, eh bien, votre logo sera mis en page automatiquement.